mars 2023, n'est-ce pas? Ça m'a cœur. Oui, ça m'a cœur. Ça m'a cœur beaucoup, Nadine. Ça m'a cœur qu'elle pleure partout là. Elle pleure l'homme ou la titulaire du gars là agressé. Ouais, Mirabelle, comme ça, maman. Elle pleure l'homme, hein. Elle pleure. Donc c'est l'homme que la veuve joyeuse pleure sur la toile partout. Karma is a bitch. Le karma, c'est le bitch. Karma. Karma is a bitch. La veuve joyeuse. Karma is a bitch. Tu as compris, maman? Tu n'as pas encore pleuré. Quoi, Sean Dior? Tu vas pleurer plus que ça, Marc Méléon. Tu vas pleurer. Ben, quoi encore. C'est le départ de pleurer. Il y a un chute, son du moment. Regarde-moi comment elle est. Il y a un chute, son du moment. Il y a un bon chute, son du moment. Il y a un nique, tu chute, son du moment. Il y a un chute, son du. Tu pleures. On croit que tu pleures que l'homme. La femme joyeuse, c'est l'homme que tu pleures, pour bobo. En nique, tu tues. Amarangu, on croit à mon zombie. Quand je suis ma bon, quand je suis ma boussi, 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 tu vas pleurer plus que ça. Tu n'es pas sur le toit, la veuve joyeuse. Le direct, si c'est pour toi, on va t'envoyer ça. Que j'ai dit que karma is a bitch. Mes chers frères et sœurs, c'est vrai que le mois passé, le 24 février, que je pleurais la. Je pleurais ma main sur les réseaux sociaux. On a mis mon direct partout. On a mis mes vidéos partout, dans tout le monde entier. La veuve joyeuse, comme elle attend toujours que j'ai un problème pour sortir sur moi, vrai, vrai, là. Elle est sortie sur moi encore. Déjà, le fait de dire que les bamilés qui sont dans mon centre social, les gens qui sont dans mon centre social, ils sont connectés là. Qui sont même de chez eux. Qui rient seulement chaque fois. Le fait de dire que les bamilés qui sont dans mon centre social, chaque fois déjà pour me dénigrer, pour vouloir tuer mes actions. Pourtant, je ne suis pas comme elle qui s'assied sur les réseaux sociaux à demander de l'aide pour aller aider les gens sans aller travailler. Je vous montre le bon exemple. Que moi, je sors, je m'avais travaillé. J'accompagne mon enfant à l'école. Je pars travailler. Avant que le bienfaiteur ne mette 5 francs, la ringaloise a mis 100 francs. C'est ça où, c'est où je vous dépasse. Botso mon coup. Botso mon canal. Botso mon bonhomme kiki. Botso mon boule. Botso mon boule. Botso mon soigne. Avant que l'enfant nous la mange. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un clash, hein. C'est juste une petite réponse à la veuve joyeuse. Que la veuve joyeuse, j'ai dit la semaine passée, rappelle-toi bien le direct que j'ai fait sur toi, que mon Dieu va te visiter. Tant que tu vas être sur moi, la reine galloise, ma frappe sera que la grande frappe. Le karma va tout te déranger. Ne t'inquiète pas, tant que tu vas être sur la reine galloise, rappelle-toi de ça, que chaque fois que je pleure en direct, chaque fois que j'ai un souci sur les réseaux sociaux et que tu sors, tu fais une sortie sur moi. Après moi, c'est toi. Ouais, rappelez-vous, non, Meko? Rappelez-vous, non? Rappelez-vous dès le départ, non? Chaque fois que j'ai les pleurs sur les réseaux sociaux et que toi, tu sors une sortie kata kata sur moi, après moi, c'est toi. Vous ne vous rappelez pas ou quoi? Attendez un peu, mes chéris, vous ne vous rappelez pas. Peut-être que je parle souvent sur la toile, vous ne considérez même pas mes dires. Hein? Vous croyez que je fais la sortie sur aujourd'hui, pourquoi sur la veuve joyeuse? C'est pour dire à la veuve joyeuse que karma is a bitch. Ce que tu souhaites à ton prochain, ça va retomber sur toi. J'ai pleuré le 24 mars. Envoie les cœurs, ma. Envoie les cœurs, partez le direct, pardon. Envoie les cœurs, partez le direct, ça dérange. Envoie les cœurs et partez le direct. La veuve joyeuse, j'ai les enfants moumou, j'ai les enfants mongols. Mais j'ai pris cette initiative. J'ai pris ma faiblesse et fait de ça ma force. Aujourd'hui, j'élève les centaines de familles en Afrique grâce à mes enfants moumous, mes enfants mongols, comme vous le dites sur la toile chaque fois. Toi, tu es la veuve joyeuse. Qu'est-ce que tu fais pour les veuves? Je vais te poser une question. Tu devais prendre ton bloc, ce bloc-là, pour faire un combat à devenir en aide aux veuves. Parce que tu es l'exemple de veuve. Tu es la veuve joyeuse. Vous prenez vos blocs pour embêter les gens qui veulent travailler pour un Afrique meilleur. Mais c'est pas possible. Vous permettez, vous ne foutez rien avec vos blocs. Et quand les enfants de l'Afrique se lèvent et qu'ils ont un peu une petite visibilité, ils prennent cette visibilité pour donc oh my God, ils prennent cette visibilité pour laver l'image des enfants qui sont comme leurs enfants. Je pouvais être blogueuse des réseaux sociaux et que je me suis fait connaître par derrière quelqu'un. Je fais de mon blog le bracata et ça ne chauffe pas. Je fais de mon blog le bracata, mais j'ai pris mon blog. J'ai dit je suis maman des enfants différents.
Je vais élever ce peuple-là. Et c'est ce que je vais faire. Par la grâce de Dieu, je suis soutenu par pas des milliers de personnes. La diaspora, les bienfaiteurs, bienfaitrices. Parce qu'ils ont vu mon combat déjà avec mes enfants. Ma chère soeur, mon cher frère, je n'ai pas honte de mes enfants aujourd'hui, demain ou après-demain. Je suis fier de mes enfants. Je ne sais pas si vous comprenez le genre là. Peut-être si mes enfants n'étaient même pas différents, ça ne devait même pas me plaire. Je suis tellement fier de mes enfants. Quand je regarde mes enfants, chaque fois, c'est une bénédiction pour moi. Mes enfants, c'est la bénédiction pour moi. Mes enfants, c'est une bénédiction dans ma vie. Dieu me connaît. Dieu m'a aimé avant de me donner les enfants là. Donc si mes enfants n'étaient même pas différents, je devais changer ça. Je devais peut-être demander à Dieu de me donner un enfant différent. Comme ça, je prends soin de cet enfant là. Ma maman chérie, ma darling brother, sister, I am the. I took my faiblesse as a force. J'ai pris ma faiblesse comme la force dans la vie. Et j'encourage des milliers de personnes. Tu devais prendre ton bloc de veuves joyeuses là pour encourager les veuves. Mais ça ne t'empêche pas de te lever sur les enfants de l'Afrique qui ont décidé que derrière la visibilité, ils vont élever les enfants qui n'ont pas demandé à naître. Tu vas dénigrer leur travail. Tu dénigres derrière le travail des gens. Tu chies sur ça, ça ne te suffit pas. Avec ta bande, vous chiez sur ça, quand ça ne te suffit pas. Quand je montre ma peau, voilà ma peau aujourd'hui, tu vois ça bien. Regarde encore ma peau bien. Hein. Regarde comme Dieu a dit faire des miracles. Regardez, est-ce que vous avez vu? Je repars au pays la semaine, dans deux semaines je suis au pays là. Pour ouvrir le centre à Yaoundé, dans ton village. J'ouvre le centre dans votre département, Yaoundé. Donc, vous aurez le temps de faire le défilé là-bas pour venir voir s'il y a les Bamileke, les quelles tribus sont là-bas. Je vous donne cette opportunité-là. Peut-être Douala est loin. Maintenant, je serai à Yaoundé. Yaoundé, le 7 avril, ouverture des actions sur cette diaspora africaine à Yaoundé. Vous aurez le temps maintenant de venir visiter pour voir si la famille si est bêtie, si les Douala, si les telles quoi, de quelles tribus dans le centre social de Yaoundé. Ah bah où là? C'est les qui ça comme ça? Pourquoi quand on vous donne l'opportunité de vous parler, on ne vous répond pas qu'on a peur de vous. On n'a pas peur de vous. Karma is a bitch. Ça m'accœur beaucoup que cette grande dame t'a dosé la bouche. Et que ça pourrait, tu peux avoir un problème. Tu pourrais tomber, tu meurs. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive. Non. Je condamne le fait qu'elle t'a dosé. Non, parce que la violence n'est pas bon. Disons, stop à la violence. Stop à la violence. On ne veut pas de violence, c'est pas bien. Elle a mal fait de te doser. Elle a mal fait de te doser. Mais, comme le karma existe, il a fallu qu'elle te dose. Pour venger même tout le monde que tu fais du mal sur la toile chaque fois. Ou bien tu sais ce que tu fais. Ou bien tu veux. Il a fallu qu'elle te dose. Ce n'est que le départ. Ce n'est que le départ. Quand tu souhaites du mal à ta soeur, sache que tu vas récolter le mal que tu as souhaité à ta soeur. Quand tu souhaites le bien à ta soeur, tu vas récolter le bien. Et en plus, on parle, elle maudit cette femme. Elle maudit les enfants de cette femme. Elle maudit sa maman. Tu crois que la mort, c'est seulement pour les autres. La mort n'est pas pour toi. Tu crois que la mort, c'est seulement pour les autres. La mort ne va pas être pour toi. Quand tu dis que cette femme va mourir, ses enfants vont mourir, son père va mourir, sa mère va mourir. Toi qui? Tu es le Dieu de qui? On va un siou? On va un sigui? Tu es son Dieu, tu n'es rien. Même s'il y a un truc qui arrive aujourd'hui ou bien demain, là, ça c'est le moment qui est arrivé. Toi-même, tu vas aussi subir. Tout le monde, nous tous allons mourir. Il n'y a personne qui est éternel sur la terre. Regarde-moi une idiote qui parle, vous allez vous encourager. Vous encourager. Elle prophétise la mort sur la famille de cette personne-là. C'est la mère de cette dame-là qui t'a tapé. C'est son enfant qui t'a tapé. Son enfant, à quoi il voit dedans? Pourquoi tu prophétises la mort sur ses enfants? Ça va retomber sur toi. Ça va retomber dans ta famille. Ce que tu fais aux gens, c'est ce que tu récoltes. La mère, elle t'a dosé pour le mal que tu fais à tout le monde. Je vois les hypocrites qui lancent les directs pour parler, pour soutenir la veuve joyeuse. Quel soutien? Quel soutien à la veuve joyeuse? Avec ce qu'elle fait aux gens, vous soutenez quoi sur elle? Arrêtez de jouer à l'hypocrisie sur les réseaux sociaux. Arrêtez l'hypocrisie sur la toile. Elle mérite ce qui lui arrive. Elle mérite ce qui lui arrive aujourd'hui, demain, après demain. J'ai dit ça. La veuve joyeuse, c'est la reine galloise qui a dit. Continue à insulter mes enfants. Continue à faire le Jacques, le babas, la reine galloise, me mépriser là. Parce que moi-même, qui vais te voir dans la réalité et que tu vas ouvrir ton clapet sur moi. Bon, la bouche, je vais te doser même plus que la femme, ce que la femme t'a fait. Tu n'es pas sur le toit. Attends le jour, je vais te rencontrer dans la vraie vie, la vie réelle. Et que tu vas l'ouvrir sur moi. Tu vas l'ouvrir sur moi dans la vie réelle. Morceau, tu vois, maman. Je vais te doser plus que ce que la femme l'a dosé. Regarde-moi une celle-là, maman.
Je pleure peut-être la main qui est brûlée. Je pleure mon corps brûlé. Que ce soit le Ndjang, que ce soit n'importe quoi. J'ai eu ça au 237 en partant dans le combat des enfants différents. C'est ça la différence. Te voilà qui pleure que l'homme. Tu pleures que l'homme. On t'a fait le pontiac sur l'homme. Tu ne vois pas que c'est le karma. Tu ne vois pas que c'est le karma. Mieux tu pleures encore même par rapport à autre chose que de pleurer pour une vieille couille. Que de pleurer pour un vieux lâché. Un vieux tu t'es lâché, qui prend comme ça, qui faut sucer, jusqu'à ce que la mâchoire, la mandibule ferme pour que ça s'élève. Regarde-moi ça. Tu pleures pour un truc que c'est à mort. Un truc qui est à mort, qui tombe maintenant comme ça. Qui faut manger, sucer le bon cas, ça que tes yeux sont humides. Pour que ça se tient un peu debout. Enfin que tu puisses entrer dedans. Il va m'ignorer chez nous. Bien, connerie, mon maman. Avant que l'un canou la mangeant. Avant que l'un canjou la dière. 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 Avant arrêtez d'humilier le travail des gens. L'effort que les gens font dans la vie pour aider, pour venir en aide aux sans-voix. Vous ne pouvez pas le faire. Calmez-vous. Be murder chosen. Be ship chosen. Ata. Be murder chosen. Me la faisine toto. Quand il écoute ma chance, il y a un petit. Arrête les canaux là. C'est quel genre de connerie ça? Mes chers frères et sœurs, envoyez-moi la vidéo sur la reine Galou, à la veuve joyeuse. Dites à la veuve joyeuse quand elle parle, on ne répond pas. C'est parce qu'on n'a pas envie de se mettre à son niveau. Que nous tous sur les réseaux sociaux, nous sommes timbrés. Dites à la veuve joyeuse que nous tous sur la toile, on n'a pas.